Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Quentin 92, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas moi c'est le cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui une vidéo comment détruire son adversaire, comment l'atomiser tout simplement. Comme vous voyez je suis à plus de 3300 trophées, donc je viens de faire une grosse remontée avec un deck que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ce que je vais vous faire dans cette vidéo c'est que je vais vous présenter ce deck. Et après on va faire quelques parties avec bien évidemment en arène légende à plus de 3300 trophées. Donc c'est à peu près significatif puisque les gens sont assez chauds à ce niveau là. Aussi vous voyez que j'ai beaucoup de coffres à ouvrir, j'ai tout ça à ouvrir plus un coffre de tournoi. Donc c'est vraiment du très très lourd qui peut être ouvert. Même si le coffre de tournoi c'est que 4 cartes, mais bon c'est pas grave. Du coup je vais vous faire un pack opening qui sortira samedi à midi. Donc soyez là bien évidemment. Voilà, petite pub pour la vidéo qui sortira bientôt. Du coup alors le deck c'est un deck Zappy. Le Zappy c'est une carte que j'adorais jouer, que j'ai malheureusement plus eu l'occasion de jouer parce que j'étais passé sur du bouliste, du bûcheron, enfin bref j'ai envie de découvrir un peu qu'est-ce que la mise à jour nous offrait comme possibilité. Et là je suis retombé sur ce deck qui est vraiment très fort parce qu'en fait il permet de contrer pas mal de choses. On a les barbares pour contrer tous les cochons, géants royales et autres choses comme ça, les valkyries pour les gobelins, toutes les petites troupes comme ça qui peuvent nous déranger, le sorcier qui est super fort contre les minions, l'esprit de glace qui permet de geler des cartes, et c'est vraiment quelque chose de super puissant pour nous, donc c'est vraiment super cool. Et bien évidemment le géant qui fait une pression de malade. Tu peux faire plein de géants, plein de combos avec le géant, par exemple du géant sorcier, le géant Zappy bien évidemment, c'est la combo majeure de ce deck. Puisque le Zappy placé avec le géant plus soit la Valkyrie soit le sorcier, ça fait un carnage et c'est vraiment super fun à jouer. Du coup ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve tout de suite, on va lancer une partie. On tombe contre un niveau 9, ok, on a de la chance d'un niveau 9, enfin je dis on a de la chance mais pas vraiment, puisque s'il y a un niveau 9 à 3327 trophées, c'est qu'il doit être plutôt chaud. Ok donc on va poser, ok merci Java, on va poser notre extracteur d'élixir. Ouais, on va poser notre extracteur d'élixir. On va voir ce qu'il fait. Je sais pas si je vais lancer l'offensive pour l'instant. Je vais lancer l'offensive. Parce que là, il vient mettre un poison. C'est avantageux pour nous. J'espère juste qu'en fait, après la Valkyrie. Ah ouais, bon, en fait, ça va être tendu puisqu'on n'a pas le géant pour la combo. Ok, donc il joue bouliste. C'est pas ouf. C'est pas ouf puisque. Voilà. On va mettre la Valkyrie comme ça et avec un petit esprit de glace. Mais il va falloir attendre que le bouliste jette sa boule. Voilà, parfait. Est-ce que ça va donner quelque chose cette offensive? Voilà, boum boum, direct. Premier coup qui arrive sur la tour. On est très très bien. Lui il a balancé un sort de poison. Oh ok, il fait ça. Je sais pas, franchement, je suis pas convaincu de son play. Hein. C'est clairement pas le meilleur. Putain, il a esprit de glace niveau 6. Je vous avoue que moi aussi je suis monté avec un esprit de glace qui était plutôt pourri. Là niveau 6, le mien était niveau 7, hein, mais là je viens de le passer niveau presque niveau 10 je crois. Il est soit niveau 9, soit niveau 10, enfin bref du lourd, c'est assez sympathique. Ok, le bouliste qui contre parfaitement ce que je voulais faire avec mes barbares. Bon, c'est pas grave, on va poser un Zappy là. Pour l'instant j'ai pas encore vu son sort de zap, donc si je joue pas le sort de zap c'est vraiment super bon pour nous. Parce que le sort de zap, quand ça reset le Zappy c'est super mauvais. Donc voilà. Allez, le Zappy qui devrait taper. Ok, parfait. Donc là on a moyen de faire un petit push. Si j'avais... Voilà, là j'ai mon sorcier. Et après, qu'est-ce qu'on met? On met l'esprit de glace, qui coûte seulement un d'élixir. Ah si, il vient de poser un zap là. Il vient de poser un zap, mais là... Oh yes, regardez le sorcier qui a tué l'esprit de glace. Et du coup, le Zappy qui tire tranquillement et qui met une première étoile. Le mini P.K. malheureusement qui est très fort et qui arrive à faire tomber notre tour, mais c'est pas grave. Je vais pas défendre le mini P.K. Est-ce que j'ai eu raison? Oui, j'ai eu raison. Enfin, c'était un peu tendu quand même. Hein. Bon, allez, c'est parti. On va faire une offensive sur le deuxième côté. On continue à mettre la pression. On va peut-être pas aller faire le 3 étoiles tout de suite. Mais là, si on arrive à péter ce côté, on peut aller défoncer ses extracteurs avec. Et ça, c'est vraiment super puissant. Ok, bah lui, il choisit de faire un push de ce côté. Je pense pas que ce soit la meilleure des solutions pour lui. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre un sorcier là. Et je vais contrer son truc maintenant. Voilà. Je vais contrer son truc maintenant. Il va peut-être me mettre une étoile. Mais écoutez, j'ai envie de dire, regardez la puissance de l'attaque, de l'offensive qu'on est en train de faire. C'est super bon pour nous. Ah non, le mini P.K. qui détruit ma tour. C'est moins bon ça. Ah, c'était mes barbares ça. Merde, je me dis putain, il faut que je défende ces barbares. Et en fait, non, c'était mes barbares. Donc là, j'ai un peu misplay sur le coup. J'ai un peu misplay, mais c'est pas grave. On a de la pression qui arrive de ce côté. On a vraiment une grosse pression qui arrive. On peut même faire une horde de 8 barbares. Allez, YOLO. Mais on va pas le faire parce que ça serait un peu stupide. Allez. Oh là, les barbares qui arrivent jusqu'à la tour. Hein. Les barbares qui arrivent jusqu'à la tour principale. Pas mal ça, pas mal. Ils font du dégât et là on fait un petit push ici parce qu'en fait il est un peu désemparé de ce côté là. Allez, si vous pouvez tuer le bouliste en même temps, ça tue quasiment le bouliste. Vas-y, encore, tape. Tape.
Oh là là, mais c'est magnifique! C'est magnifique! Première attaque, on fait un 3-0. Un 3, hein, pardon, je vais pas m'emballer, ok. Plus 29 trophées, bon, ça commence bien, comme vous voyez, la puissance de ce deck. Quand vous arrivez à faire des contres ou des grosses offensives, ça peut faire vraiment un push énorme et c'est super sympa. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une deuxième attaque pour vous montrer un peu mieux comment ça marche au deck. Peut-être on va perdre, peut-être on va gagner. Voilà, en tout cas, là, je suis presque à mon record de trophées, mon record qui est à 3407, que j'ai d'ailleurs battu avec ce deck. Voilà, donc comment détruire son adversaire, le deuxième combat, c'est parti, on le lance tout de suite. On le lance tout de suite et on tombe contre un niveau 10 qui a 3390, donc il est au-dessus de nous et il est à niveau 10, donc là, le match est assez équilibré. On espère le gagner pour l'instant. J'ai pas une main vraiment ouf en départ, donc j'espère juste qu'il n'y a pas besoin d'extracteur dès le début. Ça nous fera un peu chier parce qu'on n'a rien pour contrer. Ok, là, typiquement, c'est parfait. Puisqu'il fait ça, et regardez, le sorcier qui détruit tout. Oh là là, et il pose un gel derrière. Et là, on dit aïe aïe aïe. Hein. Aïe aïe aïe. Et est-ce que je tente ça? Je vais tenter ça, le contre comme ça. Le contre esprit de glace Valkyrie. Là, normalement, il a peu de troupes pour me contrer. Il a très peu de troupes pour me contrer. Voilà, c'était sûr. C'était sûr, ça fait un push de qualité là. Un push limite pour la tour. Et voilà, 1-0 dès le début. C'est magnifique. J'ai rien pour contrer son mini PK. Je vais mettre le Zappy. Il va pas avoir le temps de charger malheureusement pour le détruire. Le mini PK du coup va mettre un coup. Mais c'est tout. Ah merde, il met deux coups. Bon, il a mis deux coups le mini PK, mais c'est pas grave. On a un Zappy qui arrive là. J'ai pas de quoi l'accompagner. Je peux juste mettre un géant. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Allez, je pose le géant maintenant. Voilà, je pose le géant et je vais mettre des flèches. Vas-y. Boum. Ok. Je sais pas s'il va réussir. Ah putain, si j'avais attendu un peu. Si seulement j'avais attendu un peu. C'est pas grave. C'est pas grave. On va mettre une Valkyrie pour contrer ça. Il va nous mettre quelques dégâts. Je pense qu'on va passer en dessous de 1000 PV là pour le coup. On va passer très largement en dessous de 1000 PV. Il va même nous faire tomber la tour en fait. Bon, bien joué. Bien joué, mec. Bien joué, Condoriano. Tu m'as fait tomber ma tour. Et du coup, on se retrouve là et on va... Excusez-moi, je vais faire un petit cut hein, parce que j'ai toussé. C'est pas forcément rigolo dans une vidéo. Du coup, nous, on va poser l'extracteur d'élixir pour voir ce que ça va donner. Là, on veut du lourd. On veut du lourd. Bon, la Valkyrie qui fait du dégât. Pour l'instant, la tour de centrale a quand même plus de PV que la tour... la petite tour là avec la princesse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attaquer à gauche pour voir ce que ça va donner. Oula. Il va mettre un gel là. Il va mettre un gel. Voilà, là c'est parfait, là c'est clairement parfait, on a fait un contre parfait. Et là je pense qu'on peut, faire un push qui va lui faire tomber sa tour. On va clairement lui faire tomber sa tour, là c'est notre objectif. Voilà, bon, l'armée de squelette qui est totalement useless. Voilà, on va mettre ça dans le sumo, là c'est terminé. C'est clairement terminé pour lui. Je vais mettre des barbares pour continuer, avec un petit esprit de glace. Là je pense qu'on peut même aller chercher 3 étoiles. Ah putain, par contre c'est un peu chiant, il va me faire tomber. J'ai pas vu son mini PK taper. Ah si, il tape. Là, il fait du dégât. Bon, allez, ça c'est fait. Est-ce que ça va taper le 3 étoiles? Est-ce que ça va taper le 3 étoiles ou pas? C'est la question. C'est la question à 10 000 euros. Là, en tout cas, on va lui faire mal. Hein. On va lui faire mal. Est-ce qu'on ferait pas un deuxième 3-0 pour cette vidéo? Et voilà. Est-ce que vous voyez la puissance de ce deck un peu? J'ai fait juste deux attaques comme ça que je enregistrais totalement en live. Et voilà, plus 32, on est passé à 3393, c'est pas encore mon record. Donc voilà, du très 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 lourd, c'est vraiment super cool. Donc voilà, si vous avez les Zappy, n'hésitez pas à jouer ce deck. Après, moi j'ai plein d'autres decks à vous présenter, donc si vous voulez d'autres decks, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous avez envie d'autres decks avec ou sans légendaire, pour quelle arène, enfin bref. J'ai plein de decks à vous présenter, n'hésitez pas aussi à laisser un pouce bleu à cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Corentin92, tchuss.